Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment connecter une smartwatch T800 Ultra sur un Android. On va connecter cette smartwatch sur un Android, ok? Donc, ce qu'il y a à faire en fait pour connecter cette montre, c'est de commencer par scanner son QR code. Scanner simplement le QR code. Le scan du QR code va nous permettre en fait d'avoir le nom de l'application qu'on va utiliser pour scanner en fait la montre, parce que chaque montre fonctionne avec son application. Donc, pour avoir le nom de l'application à scanner, pour avoir le nom de l'application, autant pour moi, il est important de scanner son QR code. Donc là, on va scanner son QR code. Voilà le QR code qu'on va scanner avec le smartphone. On scanne le QR code. Voilà, le QR code est scanné. Donc, après avoir scanné le QR code, vous allez cliquer sur la redirection là. On sera redirigé vers une page web en fait. Vous cliquez simplement sur la flèche. Vous serez redirigé vers une page web. Et c'est à travers cette page web que vous aurez le nom de l'application à utiliser pour scanner votre smartwatch, ok? Donc là, nous sommes redirigés vers une page. Voilà. Voilà la page en question. On a la page où on a l'icône en fait de l'application, l'icône de l'application à télécharger. On a les différents liens de téléchargement disponibles. Alors, comme nous sommes sur Android, nous allons télécharger l'application sur Google Play. Donc, je vais cliquer sur Google Play. Voilà, je suis redirigé directement vers l'application à télécharger. Ok, l'application s'appelle Fitro. C'est important de passer par cette procédure parce que toutes les smartwatches en fait ne fonctionnent pas avec la même application. D'accord, donc là on va télécharger Fitro. Vous pouvez constater, j'ai déjà eu à faire le téléchargement de Fitro pour la watch. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va allumer le Bluetooth de notre smartphone. Après avoir allumé son Bluetooth, on va vérifier si la montre est détectable à travers le Bluetooth de notre smartphone. Donc voilà, la montre est détectable. Ok, on a la montre qui apparaît Ultra 8. Et là, on va pas connecter la montre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner en fait vers Play Store et ouvrir l'application qu'on a téléchargée, c'est-à-dire Fit Pro. On ouvre Fit Pro. On va patienter. Voilà, sur Fit Pro, nous sommes là sur la page d'accueil. Ensuite, vous allez cliquer sur appairage ici en bas, sur appairage. Après avoir cliqué sur appairage, vous aurez ce bouton vert là qui a des écritures qui défilent en fait. Vous allez cliquer sur lier les périphériques pour profiter de plus de fonctionnalités. Ok, donc c'est par là que vous allez lier en fait votre montre. Donc vous cliquez dessus et l'application vous autorisez. Et l'application va rechercher la montre. Alors la montre est détectable par Bluetooth, donc je pense qu'elle apparaîtra à ce niveau. Voilà, on a la montre qui apparaît, donc la montre est détectable Ultra 8. On a son adresse MAC, donc on va cliquer simplement et on va attendre que la connexion se fasse automatiquement. Vous verrez à ce niveau terminé s'affichera. Voilà, terminé, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand on aura terminé, on a la watch qui est connectée. Alors pour tester si la connexion passe, c'est simple, on va cliquer sur trouver en fait. On clique sur trouver, ok. La watch devrait normalement vibrer. Voilà, la watch elle vibre. On clique sur arrêter, on essaie à nouveau, trouver. Voilà, la watch vibre effectivement. Ça démontre en fait que notre watch est bien connectée sur notre smartphone. On a là tout ce qui concerne les notifications, par exemple, pour ceux qui voudront recevoir des notifications sur la watch, vous cliquez simplement sur notification par ici. Ensuite, vous allez simplement cocher toutes les applications que vous voudrez avoir sur votre watch. En fait, toutes les notifications d'app que vous voudrez avoir sur votre watch, tout simplement. Donc là, vous cliquez, vous allez autoriser Fit Pro en fait. Voilà, vous donnez l'accès aux notifications à Fit Pro. Voilà.
cliquez, vous allumez Feed Pro. Alors tous vos messages WhatsApp vont signaler avec seront notifiés vous par le, à travers la watch. Vous serez notifié à travers la watch sur tous vos messages WhatsApp, par exemple les SMS, pareil, et ainsi de suite. Telegram, je crois, si vous voulez Telegram, vous cliquez simplement. Tous les messages Telegram seront notifiés vers votre watch, seront redirigés en fait vers votre watch qui vous notifiera de l'arrivée des messages. C'est très pratique peut-être quand vous avez votre smartphone dans la poche ou alors vous êtes dans une, je sais pas, réception, peu importe. Donc là, vous pouvez mettre à jour votre watch, vous pouvez changer de fond au niveau du cadre de fond, ainsi de suite. Donc, c'est un peu de cette façon qu'on connecte la watch, la T800 sur un smartphone. Alors pour tous ceux qui auront cette watch, vous pourrez appliquer la procédure. Elle est assez simple, en fait elle est très facile même. Donc là, nous sommes donc arrivés à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. Si elle vous a été utile, je vous prie, voilà, les notifications qui arrivent là sur la watch. Donc je vous prie de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification. Surtout, laissez-moi un like sur la vidéo histoire de m'encourager à produire plus de vidéos de ce genre en fait. Donc je vous remercie une fois de plus et rendez-vous sur la chaîne One Maga. À très bientôt.